Ça doit être les manifestes des vieux bateaux. Ça semble encore en bon état. Hé, hey, regarde ça. C'est intéressant. L'Esperanza. Provenance Callao, Pérou. Transportant 800 lingots d'or, 1200 d'argent, des émeraudes, des masques en or, des ornements. Oh, tu lis l'espagnol du 16e siècle? T'es pas qu'un simple pilleur de tombes, en fait. Juste là. Statue d'or. Poids 20 arrobas. Plus de 250 kilos. Ça peut être que ça. Waouh. Et voilà. Ce truc me donne la chair de poule. Hein? Y a plus rien après. C'est quelqu'un de spécial? Quoi? Ah. Ouais, je crois qu'on peut dire ça. Hein? Je te voyais plus comme le genre de mec à avoir une femme dans chaque port. J'aimerais bien. Non, c'était la blague de Francis Drake. Et j'en ai en quelque sorte hérité. Sic parvis magna? La grandeur vient des débuts modestes. C'était sa devise. Regarde la date. 29 janvier 1596. Un jour après sa mort supposée. Attends, c'est quoi ces chiffres juste là? Des coordonnées. Juste au large de Panama. Oh, c'est comme ça que t'as trouvé le cercueil? Ouais, exactement. Tu vois, Drake a laissé cet indice pour indiquer l'endroit exact de sa dépouille. Pour que quelqu'un d'assez intelligent le découvre. Ouais, bien tenté. Mais on va quand même prendre ce bateau. Ah, j'ai bien peur qu'on ne se rapproche pas plus d'Eldorado. Ah!
Ah ! Nate, on dirait vraiment qu'on a loupé le coche. Non, le voilà, de l'autre côté du port. Allez. Hé, tu sais quoi? Pourquoi j'attendrais pas ici que tu... que tu reviennes me chercher? Ok, qu'est-ce que tu mijotes? Mais rien, je veux juste, tu vois, rester là et filmer un peu. Je ferai gaffe. Bon, très bien. Et promets-moi que tu seras sage. Dans tous les sens du terme. Oh non. Yeah.